Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien chez vous. Moi les gars, ça va super. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'eFootball, mais on va surtout parler de la version de Londres. Parce que vous avez été franchement très nombreux à me poser la question, mais Luthor, comment ça se fait que Konami ne sort pas la version de Londres qui était plus aboutie, plus finie et meilleure? Bah, je me suis aussi énormément posé la question et on va en parler dans cette vidéo. Alors, je ne répondrai pas aux quelques trolls, aux quelques mecs un peu chelous, ça y en a partout, qui ont carrément dit que c'était pas vrai, que j'étais pas allé à Londres tester une version chez Konami. Donc en fait, quand les mecs, tu leur montres que je suis dans l'Eurostar en vidéo, quand tu leur montres que je suis devant chez Konami, quand tu leur montres que je suis à l'intérieur de chez Konami, quand tu leur montres que je suis devant chez Konami avec un journaliste de jeuxvideo.com et qu'on parle du jeu qu'on vient de tester, quand tu leur dis qu'il y a plein de mecs anglais qui ont fait des vidéos sur leur chaîne YouTube pour dire la même chose et qu'ils ne te croient pas, bon franchement, j'arrête. Tu vois, il y a un moment, faut arrêter. Parce que même ici, tu leur ramènes le président de Konami, il te dit, Luthor, il est venu tester, les mecs, ils vont dire, non, c'est pas vrai. Bon, ouais, non, c'est pas vrai, c'est un montage, non, c'est pas vrai, c'est faux. Donc. Ah, ça doit être les mêmes qui pensent qu'on met des puces GPS pour nous traquer avec les vaccins, que la Terre est plate, etc., etc. Donc ces mecs-là, ciao les gars, de toute façon, vous devez déjà être ban. Donc, cherchez même pas à commenter. Ou alors, n'hésitez pas les gars, je vous note dans le Death Note, ça va être rapide, comme ça, on n'en parle plus. D'ailleurs, t'as vu, c'est un petit carnet collector PS 2019, il est stylé celui-là. Et bah du coup, tu sais quoi, c'est parti pour la vidéo. Alors les gars, oui, j'étais revenu de chez Konami, j'avais testé le jeu, je vous avais donné mon avis sur 5 matchs, hein, 4-5 matchs je crois, c'est pas fou, ça permettait pas d'avoir un avis définitif. Et oui, j'ai fait des erreurs et d'ailleurs, je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais déjà, pourquoi ne sort-il pas cette version qui est plus aboutie? Alors, peut-être que certains ne l'auraient pas trouvé meilleure que la version qui est à l'heure actuelle. Parce qu'après, voilà, les goûts et les couleurs, t'en as qui trouvent que la version actuelle, elle est bien. Voilà, mais bref, on revient pas là-dessus. Mais il y avait quand même des trucs en plus qu'on n'a pas aujourd'hui. Par exemple, les passes longues puissantes, les passes courtes puissantes et les tirs puissants. Ça, c'est quand même énorme et tu les mets juste aujourd'hui sur le gameplay qu'on a maintenant, ça rendrait le jeu encore bien meilleur offensivement. Après, défensivement, c'est autre chose. Sauf que bah, ces features de gameplay, les gars, on en avait quelques-unes déjà sur la bêta qui est sortie début juillet. Rappelez-vous, la bêta bizarre qui n'avait pas de nom ou alors elle avait un nom à rallonge qui ne voulait rien dire. Soi-disant, c'était simplement pour tester les serveurs. Bon, finalement, on s'est rendu compte que c'était bien plus que ça. Et ben, dans cette bêta, tu avais déjà les tirs puissants. Quand tu restais appuyé sur R2, ton joueur prenait bien un pas d'élan et envoyait une grosse sacoche. Ça, moi, je l'avais dans la version de Londres avec aussi les passes courtes et les passes longues puissantes. Et quand c'est sorti le 30 septembre sur les consoles, bah, ça avait disparu. Vous inquiétez pas, ça viendra au 11 novembre. Sauf que bon, là, au 11 novembre, ils nous ont annoncé que c'était finalement repoussé au printemps. Mais pourquoi bah, cette version de Londres, mais je dirais même plus, les features de gameplay qui étaient déjà présentes début juillet, ils ne les ont pas mis dans le jeu. Bah, en fait, je pense que c'est là le problème. Je pense que Konami a un souci par rapport à ça. Et du coup, ça explique un petit peu ce qui se passe, parce que pourquoi ils se priveraient de rajouter des trucs qui améliorent le gameplay, tu vois. Ça, ce serait quand même complètement fou de pas le faire. Et ça, autant ils font des trucs chelous, ça, je peux pas le croire. Donc, je pense qu'il y a des problèmes par rapport à ça. Peut-être que ça crée des bugs, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est pas gérable en cross-plateforme, en multiplateforme. Parce que d'ailleurs, je pense qu'il y a un gros problème aussi par rapport à la version de Londres. On a été beaucoup à se poser la question. J'ai parlé avec des mecs qui s'y connaissent en jeux vidéo, en programmation. Je leur ai dit, mais les gars, c'est pas possible. Comment ça se fait que la version, elle était au-dessus, en fait, qualitativement, même graphiquement. Ils m'ont dit, en fait, si ça se trouve, tu as testé une version offline, parce qu'elle n'était pas online, offline, PS5, spécialement PS5. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas la sortir en ligne, parce que c'est cross-platform. Donc, ils ne peuvent pas la sortir à l'heure actuelle, parce qu'elle ne tournerait pas sur PS4. Et vu que c'est le même jeu, bah, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, tu comprends déjà le délire. Donc, je pense que c'est pour ça. Je vois pas d'autre solution. Au début de la vidéo, je te disais que j'avais fait des erreurs. J'avais fait surtout une erreur d'appréciation par rapport à la version de Londres. Mais si tu revois mes vidéos de l'époque, tu vois, je me couvrais déjà. Je disais, je trouve que ça, c'est cool, mais il va falloir faire plus de matchs parce que c'est au bout de quelques matchs qu'on se rend compte des défauts. Parce qu'à la base, à la version de Londres, la défense était déjà comme ça. Je vous en avais parlé, elle était déjà catastrophique finalement. Alors à l'époque, j'avais pas trouvé, mais maintenant avec du recul,
Bah si, on peut pas défendre bien pour moi. Tant qu'il n'y a pas une touche pour appeler un deuxième joueur, bah tu regardes plus la défense faire que toi-même tu interviens. Et ça provoque des choses. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, je vous invite à aller voir les gars. Ça provoque le fait que, bah en fait, la plupart des joueurs qui vont juste vouloir le résultat sans prendre de plaisir et sans essayer de faire du foot, ils vont juste essayer de faire des tout droits, de porter le ballon. Et toi, bah, tu vas galérer à essayer d'aller les attraper parce que déjà, tes défenseurs, ils vont être mous. Et en plus, bah, encore une fois, tu n'as pas la possibilité d'appeler un deuxième défenseur. Ça, c'est un gros problème. À l'époque, à Londres, il était déjà présent. Je ne m'en étais pas aperçu. Si c'était maintenant, je vous le dirais direct. Tu vois, ça, c'est des choses qu'il faut assumer aussi, les gars. On a le droit de faire des erreurs. Mais encore une fois, à l'époque, je m'étais bien couvert. Et justement, parce que je m'en doutais qu'il allait y avoir des petits délires comme ça. À l'E3, c'était pareil. Quand tu testes un jeu sur 4-5 matchs, tout est beau, tout est rose parce que c'est nouveau. Quand tu commences à faire plus de matchs, tu te rends compte que, voilà, il y a des problèmes. Par contre, offensivement, je suis d'accord avec le mois du mois de septembre, tu vois. C'est-à-dire que c'était quand même beaucoup plus dynamique. C'était quand même moins lourd. Il y avait moins d'inertie que bah, ce qu'on a encore aujourd'hui, même si ça a été amélioré, tu vois. Et je répète que l'ajout des passes puissantes et des tirs puissants change quand même beaucoup le gameplay, forcément. Là, tu fais beaucoup de tout droit parce que c'est plus facile que de faire des passes. Mais avec les passes puissantes, ça va t'ouvrir beaucoup plus de choses dans le gameplay et ça va te permettre bah, de faire et de varier et de pouvoir gagner tes matchs sans forcément user de ce truc de faire des tout droits dans tous les sens. D'ailleurs, il y a un truc qui me surlupine depuis pas longtemps, là, depuis quelques jours. J'ai très envie d'avoir l'avis d'Ousmane Kabyle. Parce que Ousmane Kabyle, les gars, lui, il va te dire exactement les qualités et surtout les défauts. Et est-ce que c'est vrai qu'en faisant que des tout droits, bah c'est cheaté. C'est-à-dire que même contre lui, est-ce qu'il galère aussi à défendre? Peut-être que lui, il va dire non, la défense, moi, je m'en sors bien, etc. Donc, je vais lui demander s'il y a moyen de faire une petite vidéo tous les deux. J'ai absolument envie d'avoir son avis. Team AS Monaco, tu connais. Donc, on va organiser ça. On va faire des petits passes droits, t'as compris. Voilà les gars, c'était Luthor. J'avais absolument envie de vous faire une vidéo aujourd'hui. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que ça revient beaucoup dans les commentaires. J'ai plein de vidéos qui arrivent. Hein. Et pas que du eFootball, parce que là, eFootball, ça va commencer à dormir. Du UFL, du Sorar, etc. Du FM, bref. On est là pour kiffer sur cette chaîne. C'était Luthor, je fais des gros bisous. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, les amis. Si ça vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait zizir. Allez, ciao les mecs.